Y'a les plateformes ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On a le nouveau Trunks LR qui est sorti, il est ici à 100%. On va aller le tester, mais avant on va faire une petite analyse. Bon, vous demandez pas d'où il vient, hein, voilà. Il est là, du coup sur les stats, on a 18 millions d'HP, unité gratuite d'ailleurs, free to play, donc faut le souligner. 19 330 en attaque, 15 775 en défense. Assez équilibré, je kiffe le perso franchement. Très équilibré au niveau des stats, bien sûr ici il est à 100%. Hein. Ici il est à 100% et du coup on va aller le test, mais avant on va aller un peu analyser le perso, donc son passif, où il faut l'obtenir, etc. Donc, alors, ce Mirai Trunks, il a Ki plus 3 en leader, attaque PV et HP plus 70% pour la catégorie Saga du Futur, donc ça regroupe tout ce qui est futur, mais donc la Saga du Futur, tout ce qui est C18 du futur, C17 du futur, les Trunks, Trunks Ikari aussi, donc le Trunks de Dragon Ball Super. Quelques Vegeta Blue aussi, notamment le Hint et le Tech. Un Goku Blue aussi, le Puy. Et voilà, et Zamasu, Black Goku Rosé, etc. Donc on a pas mal d'unités dans cette catégorie. Les unités Dragon Ball Super du futur sont comptées dans cette catégorie. Donc là, on a un lead de Gotchair. Donc attaque, défense et HP plus 70% et qui plus 3. On a deux attaques spell, la première elle inflige des dégâts gigantesques, la deuxième elle augmente fortement l'attaque, donc plus 50% pendant un tour, elle inflige des dégâts titanesques, il va taper ultra fort avec ça, c'est incroyable, il a un boost de 1% sur son attaque ultime, un peu comme Vegeto Blue quand il part en spell ultime. Attaque plus 25 000 au début du tour, et qui plus 8, attaque et défense plus 20 000 en face de deux adversaires ou plus. 25 au début de tour, 25 000 c'est pas mal, hein. 25 000 c'est pas mal, pour rappel les cyborg LR avec 15 000 quand ils partent en spell. 25 000 c'est pas mal du tout, franchement 25 000 ça commence à être intéressant même si c'est des points fixes. Alors sur les liens on a Super Saiyan, Lignée Royale, Jugement Serein, Message du Futur, Futur Désespéré et Briser la Limite bien sûr. Alors sur le Wikia il n'y a pas le lien DLR, ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas, je sais pas si c'est un oubli ou s'il l'a vraiment pas, on verra ça tout à l'heure en combat. Donc voilà pour les liens on a Super Saiyan qui est intéressant. Futur désespéré dans une moindre mesure. Et briser la limite. Qui peut servir donc. Bon, les liens, c'est pas foufou, mais voilà, c'est potable quoi. Donc maintenant, on va jeter un œil sur l'event. Donc voilà, on a ici l'event du Mirai Gohan. Donc le nouveau event. Mirai Trunks qui vient d'apparaître, donc le AJ. On peut l'obtenir sur le premier. Donc ici, je sais pas le taux. Donc pour l'instant, l'event qui est sorti maintenant, c'est pas trop les taux. Je sais que en 3-4 essais, il y en a pas mal de gens qui l'ont droppé. Donc le taux doit être plutôt pas mal. Donc au niveau du deuxième, le level 2, on drop les médailles pour le mettre en UR. Donc la forme qui va jusqu'au level 120. Et après, les médailles pour le mettre en LR. Du coup, on va, bah écoutez, on va juste jeter un petit coup d'œil au Gohan. Voilà, le nouveau Gohan qui est sorti, qui va être le leader de la catégorie future. Alors, Ki plus 3, HP plus 130%, attaque et défense plus 170%. Il augmente son attaque de 100% et sa défense de 100% maximum. En fait, moins il a d'HP, plus il a de défense. Mais il conserve son boost d'attaque. Et à chaque fois qu'il se prend un coup, de ce que j'ai compris, il réduit les dommages subis de 10%. Donc jusqu'à 50%. Donc il a de la défense, il réduit les dommages, n'importe quoi. Mais bref, c'est pas lui les tests aujourd'hui. C'était juste pour vous parler du leader. Et puis on va tester tout de suite ça. Donc ici, on va partir donc avec le Mirai Gohan T. Mirai Gohan N, pardon. Comme je l'ai dit, en leader, donc 170% d'attaque et en défense, donc HP plus 130% et Ki plus 3. Et en ami leader, bon, il n'y en a pas encore. Du coup, on a pris un Goku, Genki Dama, qui donne 100% d'attaque, de défense et d'HP, Ki plus 3. Donc, on va partir tout de suite pour la team. D'ailleurs, j'ai pris la nouvelle C18, le nouveau C17 pour tester un peu. Le Goku Blue Pui, Trunks, Mirai Trunks, mais de DB normal. Ici on peut le mettre dans la même type parce qu'il y en a un qui a pas le même nom, il y en a un qui a jeune et il y en a un qui a futur dans sa dénomination, donc c'est bien et on va pas perdre de temps et on va partir tout de suite pour le boss rush numéro 2. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne, ça fait grave plaisir. Pour une unité free to play, il casse vraiment des bouches. Hein. Pour une unité free to play, il casse vraiment des bouches. Il rentre dans la team sans mêler. Déjà LR gratuit, stats très bon pour un LR gratuit, je suis assez étonné. Alors, on va partir en spé. On va partir en spé ultime.
à partir d'un spell des dunes. Donc 187 000, on va mettre à côté, hop, on a du 222 000. Oh, dès le début, là, il va arracher. Hein. Il va arracher dès le début, ça va être n'importe quoi. Première spé, il monte à 1,5 million de valeur d'attaque. Alors que il lui manque assez. L'aspect, elle est quand même. C'est dommage que l'aspect, ils ont pas pris plus de temps de la faire, mais elle est quand même magnifique. Du coup, on a fait du 900 000. Bon, je suis d'accord. Et on n'a pas crit. Pour une unité gratuite, franchement, il tape très fort, sachant qu'on a un boost de 100% leader et 170%. Donc, on n'a pas le double Mirai Gohan. Alors, ici, vous voyez, on a transformé tous les ki. Je suis curieux de voir leur attaque spé. J'espère qu'elle a changé leur attaque spé. Allez, on va voir ça. On va voir si leur attaque spé a changé à ces deux-là. C'est la même spé. Par contre, les cartes, je les trouve jolies. Hein. Ah! Ah! L'aspect a changé. L'aspect des cartes a changé. Ah, elle est stylée cette spé-là, j'aime bien. Les images, je les trouve magnifiques. Franchement, les artworks sont très beaux. L'aspect aussi, elle est magnifique. Alors, pour ces deux-là, ils ont attaque et défense plus 70% au début du tour et ils changent les sphères de ki. Ils leur ont mis un hub de malade. C'est vraiment un hub de fou ce qu'ils leur ont fait. Bon, le but, c'est pas de tester le Mirai Gohan. Le Mirai Gohan. Donc, on va le mettre sur le côté, là. Sinon, on va perdre des liens. Hop. Alors, est-ce que là... Donc là, on a du 100, on a du 1,4 million de valeur d'attaque. Est-ce que là, il va crit ou pas? Toujours pas de crit du 1,4 million. Toujours pas de crit. Tâche, c'est... Franchement, je suis étonné de... Le Dokkan des deux unités, la 7-7 et 7-8, elles étaient vraiment nulles. Bah maintenant, elles deviennent franchement pas mal du tout. Hein. Très honnêtement, pas mal du tout. Hein. Après, ça reste des changeurs de ki, etc. Mais attaque et défense plus 70%, c'est un truc de fou. Plus je change les ki. Franchement, c'est énorme, hein. énorme. Et après, ils ont un deuxième passif que j'ai pas très bien compris. Enfin, si j'ai compris, c'est à partir d'un certain seuil, ils changent des autres sphères de ki. Donc, ils changent une deuxième catégorie de sphères de ki. Si j'ai bien compris ce dont ça parlait. Alors, hop, on a le... Hop, on va le mettre ici. On va pas... C'est génial, ça, on peut partir en spé ultime hein. chaque tour. En espérant qu'ici on va crit. Allez. Lâche-nous un petit crit. 1,3 million de valeur d'attaque. Oh, ah, du 2,4 million. Ça, c'est ce qu'on attend d'un LR à 100%. C'est même gratuit, franchement, 1,4 million, ça fait plaisir. Ça fait... Oh, j'ai même pas les deux leaders, ça va être n'importe quoi. En réalité, ça va être juste n'importe quoi, en réalité. Bon, là, du coup, on a test l'aspect ultime, faudrait tester l'autre spé. Du coup, on va voir un peu l'aspect du Mirai Gohan, tant qu'à faire, hein, vu qu'il est là. On va voir l'aspect du Mirai Gohan. Bon, ok, on... Ça va encore, on a pris du 58 000 alors qu'ils ont pas la remontée. En réalité, ça va, c'est correct. Ils prennent du 10 000. Avec la remontée, je pense, prendra rien du tout. Ah, stylé, franchement. Oh là là, comment elle est classe son attaque spé. Oh là 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 là. Et franchement, je préfère celle du... en jugeant, franchement, en étant tout à fait... tout à fait objectif, l'aspect du Mirai Gohan elle est beaucoup plus belle. L'aspect du Mirai Gohan est beaucoup plus belle. Donc ici on va partir en spé à 12 de ki et pas 18. Donc il monte à 844 000. Ok, sans critique. Là on va avoir le freezer, du coup on va pouvoir tester son passif. Et ça c'est cool. On va pouvoir tester son passif. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, ici on va partir en spé parce que franchement je kiffe leur spé. Hein, c'est... je crois... Après avoir vu ça, les gars, je pense que ça vaut le coup de la monter là. C'est 18 et le c'est 17 avec les différents C17 et C18 en SSR. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Regardez là, arbre gratuit spé 10. Regardez combien de dégâts va faire, 356 000. Donc l'arbre n'est pas monté. C'est pas dégueu.
Franchement, c'est pas dégueu. Je pense avec la remontada, elle touche les 450, 500 000. Avec un doublon. Enfin, j'abuse quand je dis 450 quand même. Enfin, quoique, je pense à toucher 420, 430. Tac, tac, tac. Bon, là, on a. Du coup, on a là, on a son passif d'activé. Attendez. Il allait même bien, je pense, en 33 000. Donc là, on a son deuxième passif d'activé. Donc, il a un énorme boost d'attaque en plus. Hop, on va partir comme ça. En plus, on va être sur le bon chip. Oh là là, là, il va carton. Oh, il va faire très, très, très mal. Il va faire très, très, très mal ici. Donc là, on tank. 1 millimètre de valeur d'attaque. Allez, il n'y a pas de support hein, dans la team. Je n'ai pas mis de support. 3 millions 4 quoi. Du 3 millions 4. Bon, du coup, on va aller jusqu'au Dokkan mode. Bon, lui, voilà, comme d'hab. L'aspect du Mirai-Gohan. Alors, Mirai-Gohan n'est pas monté non plus au niveau de l'arbre. Il est simplement aspect 10. Tac tac. Allez, on va se remettre leur spin une dernière fois. Franchement, c'est un coup de cœur ces deux unités. Hein. Franchement, juste niveau de l'aspect, même leur passif, j'allais je kiffe en vrai. Même. Oh non, je vais partir en Dokkan mode ici. Bon bah écoutez, je pouvais pas faire autrement. Il y avait trop de fer de ki en fait. Donc voilà, écoutez, on a testé ce Mirai Trunks et Léa. À 100%, voilà. Je vous laisse sur la petite spé de C18. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait, frérot. Activez les notifs quand je suis en live, comme ça tu seras au courant. Et puis, je vous dis à ce soir sûrement pour un prochain live. J'espère que vous avez kiffé. Portez-vous bien. À plus tard. Ciao, ciao.